Bonsoir, bonsoir les plus actifs du 237, bonsoir tout le monde. Sincèrement, je ne savais pas que je pouvais être prise d'émotion comme ça. Je ne veux pas qu'on abandonne ces gens. Je sors comme ça de la PJ de Bonanjo et de la gendarmerie de Mboupi. Ces gens sont très mal. Ces gens sont dans un mauvais état. Excusez-moi si je pleure, mais là, je ne peux pas supporter. À la PJ, nous étions 8 femmes. Je suis la seule qui est sortie. Il y a encore 7 femmes là-bas. Quand je suis arrivée, il y a même une qui était en train de saigner. Elle m'a demandé le lotus. Maman, si tu as le lotus, donne-moi, je mets dans mes fesses. Il y a les autres là qui étaient malades, ils avaient la fièvre. Même le policier qui était à côté m'a dit que maman, si tu as l'argent, va les acheter, les Ferragamo. C'est tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement mal. Ils sont là abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes, je vous en prie, aidez-les. Je vous en prie. Même si vous ne passez pas par moi, mais aidez-les, je vous en prie. Je n'ai plus rien. Les choses que je n'avais pas prévues, j'étais obligée de partir chercher les Ferragans avec les paracétamol que j'ai donné aux autres à la PJ. Et ça n'a même pas suffi. Parce que là-bas, ils sont 130. Ça n'a même pas suffi. Et il y a une vague qu'on va envoyer au GMI ce soir et une autre vague qui va rester à la PJ. Même la nourriture que j'ai apportée, ça n'a même pas suffi. J'ai acheté les sandales. Je n'ai pas pu acheter la brosse à dents parce que j'ai dit que ça, on peut se passer de cela. Il fallait le papier hygiénique, tout ça. Je suis partie à la gendarmerie de Mbopi, où j'ai également fait les mêmes choses. Tout est conso. J'ai vu des papas qu'on déshabille, ils sont avec le caleçon, ils sont mal. Pourquoi me fait mal aujourd'hui? On ne mérite pas ça. Ces gens ne méritent pas ça. Même s'ils avaient volé, ils ne méritent pas ça. Je vous assure, c'est parce qu'on parle sur mon téléphone comme ça, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu les conditions dans lesquelles ils sont. Ils sont très mal en point. Mon cœur me fait mal. J'ai très mal même. Même si vous ne passez pas par moi, aidez-les. Il y a les gens qui sont à la PJ de Bonanjo, d'autres sont à la Légion juste à côté d'eux. D'autres sont à Mbopi, à la gendarmerie de Mbopi. D'autres sont à la compagnie de Dorbonne. D'autres sont à la brigade de Dorbonne. D'autres sont c'est où? Toujours quelque part à Bonanjo, là où c'est derrière, quoi, voilà les points que j'ai recensés. D'autres sont en Ganguet et d'autres sont au groupement de machin. Donc, il y a 8 points. Il y a 8 points où ils sont. Mais je ne pourrais pas faire le tour des 8 points parce que je devais parler là-bas bras ballants comme ça. Je vous en prie, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. J'ai eu très mal même. Pour ces braves personnes, j'ai eu très mal. J'ai encore très mal. Merci et bonne soirée à nous tous. Bonsoir, bonsoir les plus actifs du 237, bonsoir tout le monde. Sincèrement, je ne savais pas que je pouvais être prise d'émotion comme ça. Je ne veux pas qu'on abandonne ces gens. Je sors comme ça de la PJ de Bonanjo et de la gendarmerie de Mboupi. Ces gens sont très mal. Ces gens sont dans un mauvais état. Excusez-moi si je pleure, mais là, je ne peux pas supporter. À la PJ, nous étions 8 femmes. Je suis la seule qui est sortie. Il y a encore 7 femmes là-bas. Quand je suis arrivée, il y a même une qui était en train de saigner. Elle m'a demandé le lotus. Maman, si tu as le lotus, donne-moi, je mets dans mes fesses. Il y a les autres là qui étaient malades, ils avaient la fièvre. Même le policier qui était à côté m'a dit que maman, si tu as l'argent, va les acheter, les Ferragamo. J'ai tellement mal, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tellement mal. Ils sont là abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes, je vous en prie, aidez-les, je vous en prie. Même si vous ne passez pas par moi, mais aidez-les, je vous en prie. Je n'ai plus rien. Les choses que je n'avais pas prévues, j'étais obligée de partir chercher les Ferragans avec les paracétamol que j'ai donné aux autres à la PJ.